Argasukus, c'était ça. La nuit de mercredi 29 à jeudi 30 novembre 2017, Bergasukus, la célébrité de la musique à la sauce Bikuti, est décédé des suites de maladie. Dans ce film à lui consacré, nous allons nous intéresser un tant soit peu à sa vie en famille, sa vie en société, à sa carrière musicale et à ses distinctions honorifiques. Bergasukus, le maillot jaune. Voici l'homme. Barga Nomo Jean, à l'état civil, est né le 14 janvier 1953 en Kolmeyang, une localité de la région du centre au Cameroun, localisée dans la commune d'Nkol Afamba et le département de la Mofu et Afamba, où il a grandi. Il était le Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, rien que des garçons. Les témoignages des membres de sa famille parlent en sa faveur. Depuis sa naissance, c'était un garçon obéissant. Le père était un homme fort, très serviable même, parce que lui, surtout quand on est souvent ici au village, s'il arrive qu'il t'a dit envoyé que tu ne pars pas, lui-même il s'en occupe. Il était serviable. Il n'était pas. Parce qu'on attend souvent la dernière minute pour dire que même si c'était quelqu'un qui était le mauvais, on va donner les bons témoignages. Mais pour lui, si tu n'avais pas de problème avec lui, vous n'allez jamais avoir de problème. Partout ici, dans cette contrée, c'est lui qui puisait l'eau dans toutes les maisons des vieilles femmes. De là à là. Très obéissant. Très calme. Il n'a jamais bagarré. En l'enfance. Sokou, c'était un homme qui aimait la paix, un homme qui aimait bien sa famille, qui aimait son entourage et surtout, il aimait la musique. À chaque fois qu'il voyageait, chacun avait un petit cadeau de lui. Ça pouvait être un petit parfum, une montre ou un petit sac. C'est-à-dire qu'il avait un cœur, je dirais comme un cœur d'enfant. C'est notre grand frère aimé, qui aimait tout le monde et qui, de temps en temps, et chaque fois, nous rassemblait, qui nous fréquentait, qui a supporté tous ses frères ici au village. Et pour la qualité de vie au niveau de la famille, moi particulièrement, je ne lui reproche rien.
parce qu'il a su toujours me donner ma place telle que moi je le faisais en retour pour lui aussi. Bon, pour le soutien de la fonction dont j'incarne, la fonction cheval, il a toujours été à mes côtés, il m'a toujours soutenu. Et comme moi également, à chaque fois qu'il avait un événement, à chaque fois qu'il avait une manifestation, les concerts, il me faisait part. Et de temps en temps, quand j'avais un peu de temps, je l'accompagnais, on allait un peu partout. Mbaga Soukous, c'est mon grand frère. Mais il était plus qu'un grand frère, c'était un père pour moi. Déjà, lors de l'enfance, lorsque je prends déjà conscience, il était déjà à Douala. On me disait toujours que ah, tu as un grand frère qui est musicien, il est à Douala. Mais vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'époque de la télécommunication, comme aujourd'hui avec les WhatsApp, Internet, pour pouvoir vraiment savoir ce qu'il faisait à Douala. Lui et moi, on avait des relations particulières parce qu'on se ressemblait beaucoup sur l'aspect moral. Parce que je vais vous dire, c'est quelqu'un qui était très honnête. Il était d'une rectitude morale incommensurable. Il était un homme honnête, soucieux de la justice, de l'équité. Dans la famille, il avait un langage direct. Lorsque tu as tort, tu dis que tu as tort. Lorsque tu as raison, tu dis que tu as raison. Il n'aimait pas les choses qui se faisaient à côté. Il disait toujours la vérité. Et ce qui faisait de lui une cible pour ceux qui étaient, n'est-ce pas, des amateurs du mensonge. Alors, par téléphone, il ne se passait pas une semaine sans qu'on on ne s'appelle. On causait longuement, il voulait savoir comment ça se passait dans mon travail. Et on partageait les idées par rapport à la famille, par rapport à la contrée. C'est quelqu'un qui était d'une générosité... Je veux dire qu'il n'a même pas de mesure. Alors moi je garde en lui des très grands souvenirs que peut-être personne n'avait jamais su dans la famille. Je trouvais qu'il avait ce côté, parce qu'il est de nature timide, hein, peut-être ceux qui ne connaissaient pas. Donc il avait ce côté repoussant qui le protégeait plutôt. Mais quand vous le pénétrez, vous trouvez que vous avez affaire à quelqu'un de très jovial, de quelqu'un qui était trop amour, quoi. L'amour est indicible et inconditionnel. On les reconnaît à travers les actes des prochains. Mbaga Soukous était le bon samaritain des membres de sa famille, mais aussi le prochain de ses collègues musiciens. Bon, en 90, quand j'ai obtenu le CPE, et il n'avait pas encore d'enfant, le papa donc me l'a confié, que bon, voilà ton fils. Donc de 90 jusqu'à sa mort, on était ensemble partout. Un dimanche, l'archevêque était de passage à la paroisse Toussaint de Mban. Et ce jour aussi, mes deux petites sœurs se confirmaient. Bon, nous sommes à l'église, le téléphone sonne. Il me dit, descends rapidement. J'arrive, il me dit que il est couché, les enfants viennent lui dire qu'il y a un monsieur là qui ne fait que déranger sa petite fille. Il sort donc, il trouve donc le monsieur, il bouscule le monsieur. Le monsieur, ne voulant pas être bousculé, lui aussi se défend. Monsieur Mbaga Soukous s'est rendu au GSO, qui n'est que derrière la station MRS de Mban. Il allait prendre deux éléments. Il est descendu avec les deux éléments. Quand ils sont descendus, ils ont pris le monsieur. Ils l'ont pris aussi. Ils se sont mis de côté et le monsieur a demandé les excuses. Il m'a dit cassé, donc Madame Postel, mon nom y est. Madame Postel, je me rappelle cette année-là, mon époux vivait encore, Monsieur Postel, nous étions en France. On rentre vers le mois d'août, fin août, début septembre. On fait escale à Douala. C'est à Douala que les gens me disent, les amis me disent, ben, écoute, il y a un monsieur qui chante votre nom, Madame Postel. Je demande, mais qui c'est? Ils me disent, c'est Mbaga Soukous. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il a osé dire? Mais quand j'ai suivi le morceau, sans vous mentir, j'étais fière de lui, j'étais contente. D'ailleurs, j'allais souvent danser en Komo avec les musiciens de l'époque. Donc c'était vraiment une joie, il faisait la joie de notre famille. Lorsque je joue en équipe nationale du Cameroun et que je suis convoité pour un club espagnol,
Je me rappelle que ce jour-là, mon manager, qui était Thomas Nkono à l'époque, me demande de payer mon billet d'avion. Malheureusement, en ce moment-là, j'avais rien. Et je peux vous dire, il faudrait que la famille le sache aujourd'hui, personne ne l'a jamais su, c'est mon oncle Soukous, mon papa vivant encore, qui m'a payé ce ticket d'avion. Et je peux même vous dire d'ailleurs comment ça s'était passé. Hein. C'était son feu ami Maître Bindi, hein, de son vivant. Nous sommes allés, il m'a dit, écoute, tu y arrives. Et c'était un week-end, s'il vous plaît, je vais voyager le lundi. Il faut aller absolument que j'ai le billet d'avion, l'argent du billet d'avion le dimanche. Et c'est comme ça que l'oncle Soukous, d'ailleurs qui s'appelait Mbombo, parce que c'est mon homonyme, qui a tout fait pour que j'aille. Je pense que ce contrat serait aujourd'hui raté. Grâce à lui, ce contrat a pu être réalisé. Donc c'est quelqu'un dans ma vie, si vous voulez, il a eu 4 apparitions qui m'ont marqué et qui me marqueront toujours. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un billet d'avion quand j'ai été professionnel. Je vous parle de ma dot où c'est lui qui a représenté la famille. Je ne veux pas vous parler du reste parce que c'est tellement énorme. Donc on peut dire que c'était quelqu'un de généreux. C'était quelqu'un qui, tout ce qui concernait la famille, il était là. D'une façon personnelle, le grand frère a fait son devoir de me tenir par la main lorsqu'il sort en 1996 Nsonu Nsonu. Le morceau a encore subi un grand succès au point où, contrairement à Esamba Esamba, où il n'a pas fait de vidéogramme, le producteur Ibo Bolofia a donc décidé de faire le vidéogramme. Et tout de suite, des noms s'affichaient, Bonaventure Takoukam, Boniface Domfak, Alain Mani, qui était à l'époque le plus grand réalisateur de vidéogramme au Cameroun. Mais il ne savait pas que le petit frère de Magasikous revenait de sa formation en Europe. Et j'étais réalisateur sur le papier. Mais j'avais besoin de cette chance-là de signer dans une œuvre pour devenir réalisateur. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous, au cinéma et en télévision. Après la sortie de l'école de cinéma ou de télévision, avec ton diplôme, tant que tu n'as pas fait une œuvre d'au moins une minute, tu n'es pas considéré comme réalisateur. Magasikous était conscient de cela. Et il m'a dit, d'accord, petit frère, je voudrais bien te laisser faire le clip, mais il faut que tu me prouves que tu as les capacités. Je lui ai dit, mais grand frère, je suis premier à 100 réalisateurs au cinéma. Voilà les œuvres que j'ai déjà eu à faire. Il me dit non, attends, ça ne suffit pas. Il faut un clip. Je lui ai dit, laisse-moi faire. Il m'a dit, bon, il faut que tu me convainques. J'ai fait mon découpage technique avec storyboard à l'appui. J'ai fait mon pré-repérage. On a fait des séances de travail. Il m'a dit, ok, petit frère, là, tu m'as convaincu. Je peux donc maintenant te proposer comme réalisateur. Quand il m'a amené chez Ibo Bolofia, voyant mon jeune âge, il a tout de suite refusé. Soukous lui dit que mais mon petit frère revient d'Europe, là où c'est là, il a poussé, il a appris chez les Blancs, il connaît. Le Bolofia dit que je ne connais pas, c'est pour Matuta quand tu as fait le clip. Voilà, Soukous a donc dit, mon petit frère ou rien. Le Bolofia s'entêtait comme celui qui devait financer la production. On a fait 3 mois sans faire le clip. Et finalement, le Bolofia a compris que Soukous tenait vraiment à ce que je fasse la vidéo. C'est ainsi qu'il a accepté, malgré lui, me laisser faire le clip. Et dès le premier jour de tournage, quand ils ont vu ma direction de plateau, ils ont vu ma direction d'acteur, mon découpage technique, mon storyboard, ils ont dit « Waouh, mais le petit là, il connaît vraiment. Hein. » Et quand le clip est sorti, il a sorti le champagne. En fait, Magasikous a permis que je sois réalisateur effectivement et plus tard, comme vous le savez, j'ai fait au moins 300 vidéogrammes et pas moins de 200 films. Je veux connaître Magasikous alors que je suis encore élève au collège Njilo en Balmayo et je joue dans un cabaret qu'on appelait Mongo Betty. À cette période, il est chanteur, batteur chez Betty Joseph. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, nous les jeunes qui faisions la musique dite occidentale, en nous faisant comprendre qu'on pouvait gagner notre vie qu'en faisant d'abord notre musique. C'est des gens qu'on appelait à cette époque-là, ils jouent du typique. Ils parlaient du typique et lui, il nous disait, c'est le typique qui va faire de vous des vrais musiciens. C'est comme ça que donc, je vais m'en mettre à apprendre à jouer du bikutsi. J'ai joué avec un groupe qu'on appelait les Soul Brothers, Afro Soul Brothers du Collège Noir, avec des guitaristes comme Jules Kamga,
des chanteurs, paix à son âme, Mike Kounou. Et à l'époque, la musique, c'était, on interprétait plutôt plus la musique zaïroise, l'afrobeat de Fela Ramson qui chauffait, et puis les musiques occidentales, ça veut dire les Johnny Hallyday et tout ce beau monde. Et nous, ça nous faisait notre fierté. Pour nous, on se disait que, comme tout Africain, on voulait faire comme les Blancs. Quand j'ai dit qu'il m'a tout apporté, c'est parce que, grâce à ses conseils, j'ai commencé à apprendre à jouer ce qu'on appelait à cette époque le typique. Et si je n'avais pas appris, je ne crois pas que je serais, on m'aurait appelé dans les têtes brûlées. C'était ça. Donc si je suis dans les têtes, quand je dis qu'il a tout fait pour moi, c'est parce que moi, ma carrière internationale et mondiale, c'est les têtes brûlées. C'est pas Johnny Hallyday, c'est pas Mike Kounou, bien tous ces gens que j'interprétais, mais c'est le Bikutsi que j'avais appris grâce à ses conseils et ceux d'Atebas. C'est pour ça que je dis donc que pour moi, en matière artistique, il m'a tout donné. Je ne devais pas acheter le terrain en vanne, en face de lui, comme vous voyez. J'avais un ami à Oza qui m'avait proposé une parcelle de terrain. Alors, un soir comme ça, Mbarga m'appelle et dit « Bon, j'ai un concert, il faudrait que tu viennes. » Et puis, arrivé ici, je le trouve en train d'aménager son terrain-là. Je lui dis « Gars, moi-même, j'ai le projet, mais je vais m'installer à Oja. » Il dit « Non, attends, mais il y a encore du terrain ici en vanne. » Et du coup, un jeune homme passé là, il appelle le jeune homme, on s'est enfoué. « Foué, Tamzuna. » Il y a même rien. « Ok, il m'a dit à Tebas, il y a terrain. »« Foué, ok, il y a un gars, ok. » C'est comme ça que c'est parti et je me retrouve en face de Mbarga Soukous. Donc la relation a été, je peux dire divine quoi, c'est pas moi, comment exprimer ça. Ça a été dit, ouais. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en vanne, face à face. Il gère sa famille, je gère la mienne et il n'a jamais manqué de jouer son rôle de conseiller quand il voit que je déconne un peu. Mbarga Soukous, plein d'amour pour son prochain, il le donnait à tous ceux qui en avaient besoin. Même à ceux qui ne le lui demandaient pas directement. Sa solvabilité revêtait un caractère extraordinaire qui enchanterait les usuriers. Je ne vais jamais oublier. Il m'a payé une dette d'argent, peut-être, je crois, peut-être 15 000 fois. Et chaque jour, je me rappelais que c'est ta dette-là que tu m'avais donnée parce que nous avions galéré. Et je me rappelle, je lui avais prêté soit une somme de 2 000 francs. Il m'a payé ça peut-être 20 000 fois. Ça veut dire qu'il me donne 20 000, il me dit, tu te rappelles la vieille dette là quand on était, parce que c'était dans la galère que je lui avais donné cet argent. Je peux vous dire que cette histoire nous a reliés de façon que, quand il ne me voyait pas après un spectacle, il était obligé de venir m'appeler, il m'appelait pour me dire, mais dis donc, tu as oublié ta vieille dette là. Mais je dis, quand je vais lui dire, tu m'as payé, il dit, non, viens prendre ta dette. Moi je le considère plus comme un père. Bon, ben, c'est vrai que de temps en temps, comme Mbarga était aussi là, de temps en temps, il te bombardait un petit truc là le jour, et ça ne va pas, tu disparais d'abord. Mais après, le premier à te rappeler, il dit qu'à petit, tu es où hein, il faut, je suis en Kolonongo, viens me trouver en Kolonongo. Lors des obsèques de Mbala Rouges, il était présent du début à la fin. Il a dit que quand vous ne l'appelez même pas, c'est lui qui va vous chercher. Il dit que, mais comment, moi j'attends depuis là, c'est comment. Et dès de Natacha, c'est pareil. Bon. Il n'est pas allé avec nous à l'Olodop simplement parce qu'il avait une petite réunion de famille au village. Il n'est pas allé avec nous. Mais quand nous sommes rentrés, il m'a appelé, il m'a demandé de lui faire le compte rendu, comment ça s'est passé et tout. Mbarga Soukous n'avait pas que le cœur sur la main. Ce moteur de circulation sanguine, logé dans la partie gauche de sa poitrine, battait aussi pour la belle créature. Il l'a même fait tomber sans glisser. Pour une jeune fille de 19 ans en 1990. En 90, je faisais le CS de Balmayo. Et je suis venue passer les vacances chez mon grand cousin Bobo. Il habitait Ikuno. Un jour alors, je sortais pour aller au marché central. J'ai croisé Mbarga. Il était en face, comme nous on habitait de l'autre côté de Colavino. Et lui, il était en face, il y avait un bar dans notre sortie où il buvait avec ses amis. Il m'a dit, jeune fille, mais tu vas où? Comme j'étais encore très petite, il me dit, mais je vous appelle. Et j'ai donc traversé la route. Je suis arrivée là où il était avec ses amis. Il me dit, mais vous allez où? Je dis, je vais
au marché central. J'étais avec une de mes cousines aussi. On allait au marché central. Et alors, il me dit, bon, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas aller du midi à 14, je t'aime. Ça m'a fait rire. Et j'ai dit à ma cousine, allons. En voulant partir, il me dit, mais comme vous prenez ça comme les amusements, je vais vous attendre. Nous, on est partis. Les deux jeunes filles ont mis du temps au marché central, situé bien loin du quartier Ekono, où se passait la drague. Mbarga était sérieux lorsqu'il disait attendre. Il l'a attendu jusqu'au retour des deux filles. En rentrant, nous, on voulait traverser la route pour aller à la maison. Il me dit, mais vous avez oublié que je suis toujours là pour vous attendre. C'est là où je dis à ma cousine que... Voilà l'homme qui nous a d'abord interpellé quand on allait. Nous voici, il dit qu'il est toujours là. Allons. De là, on traverse donc la route. On le retrouve. Il me demande que vous buvez quoi. J'ai donné mon goût. Ma cousine, pareil. La rencontre faite, ils ont sympathisé et se sont séparés sans échanger les contacts parce que la fille n'avait pas encore de téléphone. Mais par un concours de circonstances, quelques semaines après, Mbarga Sukus et cette jeune fille se sont rencontrés à nouveau. Il est venu au quartier. Je ne sais pas, il avait les affinités avec... je ne sais pas si c'était son ami. C'était juste à côté de la maison de mon grand frère. À partir de là, mon grand cousin, lui, le connaissait déjà. Quand il sort donc sur la véranda, il le voit en face, les maisons qui étaient en face. Il demande que, mais Mbarga, tu es venu faire quoi ici? C'est là où nous on sort aussi. Et là où il dit, mais la petite fille ici, je lui ai croisé l'autre jour. Bobo, donc c'est ici qu'elle habite. Bobo lui dit donc que non, c'est ma petite soeur. Il dit, non, bon, je l'aime beaucoup. Je voudrais vraiment fonder une famille avec elle. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une femme. Je vais m'arranger à ce que j'épouse ta petite sœur. Bobo lui dit que une petite fille comme ça, est-ce que elle n'a pas encore le cœur dans ça? Cette réponse de Bobo a suscité des questionnements dans l'esprit de Mbarga Sukus, qui a voulu savoir si c'était son âge plus grand que celui de cette fille qui était le problème. Bobo a répondu par la négation, ajoutant que c'est parce que sa cousine était encore naïve et ne pensait pas au mariage. Plus tard, en week-end, un concert est programmé à Eldorado Nkomo. Bobo y amène ses cousines. Parce qu'Eldorado chauffait. Mon grand frère, là, il travaillait en Simalène. Donc on arrangeait Simalène. Il m'a dit donc qu'il faut qu'on aille un peu danser. On est parti. Seulement, Bobo réserve la grande surprise de cette soirée à ses cousines. Il nous a amenés en Komo à Soumangé. Après Soumangé, il nous a demandé de monter là où les vedettes chantaient. Arrivé là-bas, on a duré longtemps. Je somnolais déjà vers les 4 heures. J'entends seulement il semble. Je me réveille, parce que j'étais déjà plus de longtemps. Je me réveille, ma cousine me réveille. Mais voilà le type qui chante, il semble. Quand on se réveille, comme j'étais courte et il y avait trop de monde, je monte donc sur la chaise. Je vois le monsieur en question. Je dis, hé, cousine, c'est le type qui nous dérange au quartier là. Nous voici qui est en train de chanter Istanbul. Je me dis c'est Mbarga Sukus qui chante là. Ce n'est pas lui qui nous a interpellés l'autre jour. Mais tu rêves ou quoi? Il dit que je te jure que monte sur la table, tu vas le voir. Et il y avait les gens qui dansaient, ceux qui tombaient même dans la piscine. C'est là où j'ai seulement dit, ok. Quand elle monte aussi sur la chaise, elle voit
expliqué. C'est comment les gens étaient en diable. Mon grand frère me dit, voilà l'homme Bargasukus. Parce que je ne voulais pas d'abord te dire que c'est lui. Parce que vous les enfants de maintenant, comme vous aimez le végétariat, parce que c'est un vieux, je ne peux pas accepter que tu sors avec lui. Je n'étais jamais sortie auparavant. C'était ma première fois d'aller danser toute la nuit. Alors, nous on est rentrés. Et comme mon grand frère ne voulait même pas cette histoire-là, parce qu'il y avait une très différence d'âge. Et on est rentrés. Trois semaines après ce concert, Bargasukus, sans lâcher prise, est revenu suivre son dossier déposé chez Bobo. Il est revenu. Il dit à Bobo, mais sors-moi la petite fille là. Je sais qu'elle est toujours là-bas dedans. C'est là où Bobo lui dit que mais. Donc tu insistes même avec cette histoire-ci. Il dit que mais. Moi je t'ai dit que je veux fonder une famille avec cette fille. Mais toi tu es là pour, je ne sais pas, où c'est, tu crois que c'est les amusements. Bobo m'appelle donc, viens. J'étais toute sale, nous on travaillait même à la cuisine. Quand je sors, je le vois. Et comme il était amusant, il dit à Bobo comme, la petite fille, si il est en train de s'amuser avec moi, est-ce que tu lui as dit même qui je suis? C'est là où Bobo lui dit que bon, je te présente alors. Petite sœur, voici Bargasukus. J'ai été émue, très émue. Très, très émue. Parce qu'à mon âge, et la façon que Isamba chauffait en ce temps-là, je ne m'en revenais pas. Qu'il pouvait s'intéresser à une petite fille comme moi. Une pauvre petite fille. Et ça, j'ai été très, très émue. Et j'avais même peur. Non, faut pas avoir peur. C'est la star Bargasukus, le maillot jaune. Il est humain. C'est une chance de la voir devant toi. De lui parler et surtout de la voir comme prétendant. D'ailleurs, lui-même te le dira. Il m'a dit non. Dans la vie, chacun a sa chance. Moi, je vais fonder une famille avec toi. Je sais que tu es encore petite. Je veux te supporter parce que je sais que tu es encore petite. Il y a des choses que tu n'as pas encore faites et que tu voudrais faire. Mais je souhaiterais que tu le fasses dans un foyer, chez moi. Je sais que je suis plus âgée que toi, mais je vais te supporter. Voilà! Deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1990, Bargasukus a connu Rosalie et elle a conçu. Leur premier fils est né. Cette naissance, qui faisait de Bargasukus papa d'un garçon pour la première fois, l'a ému et confirmé tout le bien qu'il pensait de Rosalie. Rosalie était vraiment celle qui devait être la chair de sa chair. C'est là où il a demandé à mon grand frère de l'amener dans ma famille, au village. Et comme il y avait un problème de nom, il voulait donner le nom de son grand frère à son enfant là, son premier fils là. Il m'a dit que c'est son grand frère qui l'avait mis à l'école de musique. Il avait payé 2 ans et qu'il voudrait lui remercier si la famille peut accepter que même comme je ne suis pas encore dotée, qu'il lui donne le nom pour donner à son grand frère. On est donc allé au village. Il a vu ma famille, il a acheté des choses et ma famille aussi n'a pas compliqué. Ils lui ont accordé le nom de son grand frère. Donc, ce qui fait que mon premier fils porte le nom de son grand frère qui s'appelait Mbarmeng Sylvestre. Bargasukus, ne supportant plus habiter une maison autre que celle de Rosalie, décide de procéder aux conditions légales qui feront d'elle sa conjointe, afin que les deux habitent sous le même toit. Le 11 juillet 1994,
Mbarga Soukous épouse Rosalie Mengemanga, aujourd'hui commerçante. Une fille d'un Colmeyos sur la route de Bolova, région du sud du Cameroun. De cette union sont nés 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. L'aîné est militaire du BIR, entendez, bataillon d'intervention rapide. Après l'accouchement, donc, il a encore rentré au village, demandé la main, comme on le fait souvent chez nous. Et après la main, on a fait une liste. Après la liste, la dot a suivi. Et après la dot, le jour même de la dot, il a pris ma famille et on est venu chez lui pour signer l'acte de mariage. Parce que ça s'est passé en même temps, la dot et le mariage. Rosalie Mengemanga devient la femme d'une star de la musique camerounaise. Un événement qui a transformé tout son quotidien en peine. Parce que parfois il faisait 2 jours dehors. Et quand il rentrait, j'étais fâchée. Il me disait non, ne te fâche pas, c'est mon domaine. Si tu m'as accepté, c'est parce que tu savais que j'étais un artiste. Il est bien vrai que tu ne t'y connaissais pas très bien ce que c'est que l'artiste. Mais depuis 90 en 92, tu as su ce que c'est qu'un artiste. Parce que c'est en sortant que je peux avoir quelque chose. Si je reste couché à la maison, ça ne va pas donner. Donc, tu dois supporter ça. Parce que parfois, il m'appelait, j'appelais, quand il a déjà fait 2 jours, j'appelle. Je lui dis que, mais est-ce que tu sais quand même qu'il y a des gens ici qui s'inquiètent pour toi? Il me dit, je suis à tel endroit, si vous voulez, venez me retrouver. Et moi, je lui disais que toi-même, tu sais que moi, je ne suis pas le genre de femme qui doit te suivre partout où tu es. Parce que même ses amis dans la musique connaissent que moi, j'étais toujours à la maison. Et même quand il me disait, allons, on va chanter au Hilton ou à Montferrat, deux fois que je l'accompagnais. Parce que c'est un monde, je ne sais pas comment dire, que les femmes... Quand je sortais avec lui, les femmes me faisaient des choses que je n'arrivais pas à supporter. D'autres venaient parler devant moi comme si ce n'était pas mon époux. Donc ça me frustrait. Et après, il me disait, non, c'est comme ça les femmes. Quand tu es comme je suis, il y a les femmes qui m'abordent. Et bon, il ne faut pas que tu t'énerves parce que c'est comme ça. Donc, quand je suis dehors, ne t'inquiète pas trop. Parce que si tu m'appelles déjà et que tu sais que je suis là, rien ne m'est arrivé, tu te calmes. C'est que je vais toujours rentrer. Donc, j'ai vécu avec ça. Ça m'a fait mal au début. Après le mariage, bon, je me suis dit que non, je ne peux pas supporter quelqu'un qui n'est jamais à la maison. Et les enfants sont là, ils demandent maman, papa est depuis 2 jours, papa est où? Et ça me dérangeait. Et il a fait asseoir ses enfants. L'aîné avait peut-être 7 ans. Et la deuxième fille avait peut-être 4 ou 5 ans. Il a dit à l'aîné que vraiment, ce n'est pas que je n'aime pas votre mère. C'est parce que le travail m'appelle. Comme Essambé était vraiment en ce temps-là, c'était pas facile. Mais à chaque fois qu'il rentrait, il me donnait des conseils. Il me disait de ne pas m'énerver. Et je me suis habituée petit à petit. Et je suis devenue une femme qui reste à la maison et que je ne m'inquiétais plus, je n'avais plus de problèmes, de stress,
de colère. Je me suis habituée. Et un jour, il est venu, il m'a dit... Parce qu'avant, quand il était dehors, je ne dormais pas. J'étais toujours là en train de penser que, ah, il est où en ce temps-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Après, il a vu que quand il rentrait, c'est son premier fils qui ouvrait la porte et que moi, je dormais. Il a su que non. Dieu m'a aidé à surmonter ça. Mbarga Soukous était un mari affectueux, un père attentif. Il était un mari très attentionné, très soucieux pour sa famille, surtout pour ses enfants. Il a été un époux pas comme les autres. Il m'a appris l'effort du travail. Il m'a appris l'horreur de la corruption. Il m'a appris l'amour. L'amour du prochain. Parce que lui-même, il a été très, très généreux envers tous. Mon papa était un homme simple, avec sa famille, gentil. Et bon, il prenait tout le monde. Tout le monde était ses enfants. C'est un papa vraiment... Malgré son côté un peu agressif, oui, mais c'était vraiment un homme bien, un homme vraiment bien. Donc, il y a des moments, il m'amenait, je faisais découvrir certains endroits, il me faisait des petites surprises, un peu le tout, hein, un peu le tout. C'est le directeur de mon Fébé a organisé une soirée. Il m'a amené et c'était vraiment bien, ça s'est vraiment très bien passé. Contre le bruit de sa famille, Mbarga Soukous commence à faire de la musique. Il fabriquait lui-même ses tambours avec des vieilles boîtes quand nous étions enfants, parce que nous avons presque... Nous sommes dans la même génération. Donc pour lui, la musique était quelque chose qu'il ne pouvait pas s'en passer. Il a commencé à faire la musique très très jeune. Donc cela m'a beaucoup marqué. Et papa ne l'aimait pas parce que papa disait la musique ne paye pas. Vous savez, dans les années 70, la musique n'était pas comme elle est maintenant. Et papa, lui, il voulait qu'il fasse les études. J'ai été le premier à être un succès quelque part. J'ai appris la musique en classe. Bon, il a tapé, il est venu me suivre parce que j'avais un orchestre. Le premier tour, c'était en Bankomo. Marie Fiesta, il marchait 25 km à pied. Le premier jour qu'il me rencontre, c'était... Un 24 décembre 1975, c'est M. Ndenge Grégoire qui m'a acheté ce cortège. Il m'appelle alors, j'étais en pleine action. On dit que ton petit frère te cherche dehors. Je lui dis, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, grand, je suis venu parce que je savais que tu étais ici. Il s'assied, c'est là alors que commence sa carrière. Le nom de Soukous vient par rapport à qui? Par rapport à ce que je lui ai instruit. Parce qu'on a commencé à jouer la musique de parole. Parce qu'on chantait les chers amis et tout et tout. Comprenez un peu. On a suivi un orchestre, le trio Majesty, le Kuma Sengo Madidi. Bon, lui, il s'appelait Sakoul. Lui, il m'appelait Loko. En ce temps-là, on s'appelait, oh, plus grand, plus petit. Tu comprends un peu? Alors là, ça a démarré comme ça. Je l'ai appris alors à dire que quand tu vois, il faut faire les notes comme ça. Après cette étape, Mbarga Soukous arrive en Bankomo et intègre le groupe de Skari Jazz où il fait la rencontre de Ange et Bogo Emiran. Pourtant bruyant à l'école, ce passionné de la musique met un terme à sa scolarité en classe de 3e au collège Mangobiti à Yaoundé, au grand regret de sa famille, pour s'adonner à la musique. Je me rappelle quand
ses deux grands frères, Manga Etienne et Mbarga, Sylvestre, payaient ses études. Il avait des moments où il n'allait même pas en classe. À l'époque, il faisait quatrième au collège Manga Beti. Des fois, il faisait l'école buissonnière. Et Jean, lui, les études ne lui disaient pas grand-chose. C'était ça, les chansons, la guitare, ses vieilles boîtes et son micro. Voilà ce qu'il aimait. Yaoundé et son tremplin. Et Douala, la ville où il dépose ses valises après, sera l'école supérieure de toute sa formation en musique. Il y a même fait la rencontre du bassiste Atebas qui revenait du Nigeria en 1978. Quand je suis arrivé à Douala, j'ai rencontré M. Atanaluk. Il était en fond de Zoé Télé, un acteur culturel. C'était un responsable, c'était un fonctionnaire, hein, mais il aimait la musique. Et il a créé un cabaret à Douala qui s'appelait Bebela Sangula. D'où le nom de notre premier album, Les Sangula. Mm-hmm. C'est un monsieur de Zoé Télé qui crée ce groupe. Et c'est là où je vais rencontrer Margosu. Parce que monsieur Atanaluk, lui, me connaissait déjà. J'avais déjà évolué dans son cabaret avant, avec Feu Ndo Clément. Donc, quand je suis rentré du Nigeria, j'arrive à Douala, je le rencontre. Il dit, ça tombe bien, je suis avec des éléments et il manquait un bassiste. Allez, il m'a fait rencontrer Mbarga Soukous, Ondoa Pascal, Tunde André et Joe Ataba. C'est ainsi qu'on a créé le groupe Les Sangula, qui sera produit par un certain Ayompe, avec à la prise de son Manuel Guissot. La relation entre le producteur et nous, c'est Malapol, Feu Malapol. Soukous, c'était un responsable. Il n'aimait pas l'à peu près. Il était positif. Pourquoi est-ce que je l'ai accepté comme ami? Il était mon aîné. Pourquoi je l'ai accepté? Moi, je revenais du Nigeria. J'avais déjà compris que dans la vie, il fallait être un peu autonome, quoi. Se battre avant d'attendre qu'on te donne un coup de main. Bats-toi personnellement, effort personnel, quoi. Comment ça se dit au quartier. Et moi, quand je l'ai rencontré, il était ce gars-là. Il avait toujours son paquet de cigarettes, son paquet sa boîte d'allumettes. Les briquets n'étaient pas à notre portée, ça coûtait 500. On n'avait pas 500 pour acheter le briquet à gaz. Donc il avait toujours son paquet de cigarettes, sa boîte d'allumettes, et il avait toujours de quoi prendre son bout de pain. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit, ouais, ça c'est un vrai frère, ouais, on peut faire ensemble. Ils ont choisi la destination Douala pour son cosmopolitisme. On vivait à Douala parce que c'était le secteur où il y avait beaucoup plus de Mbengis. Nous aussi, on rêvait Mbeng. Oui. Seulement, les conditions de travail à Douala Mbengue ne leur étaient pas favorables. Ils rêvaient Mbeng, mais vivaient la réalité de leur classe sociale, malgré qu'ils jouaient dans un cabaret. Ah, si tu imagines comment on répétait les Makossa qui sortaient d'Mbeng. Il y avait une discothèque à côté de notre cabaret. Donc on va passer la journée. Tu sais, à l'époque, avant d'acheter un 33 tours, c'était les 33 tours, c'était pas les CD, machin truc. Donc avant d'acheter, il fallait d'abord jouer pour se rendre compte que ça passe bien, il n'y a pas de machin truc et tout. Alors nous, on passait des journées devant la discothèque. Tu as un roman que tu lis jusqu'à la fin et tu recommences la fin jusqu'au début, le temps d'écouter le nouveau Toto Guillaume. Le temps d'écouter le nouveau... C'était comme ça. Tu ne pouvais pas acheter un 33 tours, tu allais répéter à la maison. Donc, on était à Douala. Et il fallait aussi s'imposer, essayer d'imposer le Bikutsi, mais ce n'était pas facile. On entrait dans les cabarets et on faisait ce qu'on pouvait. De temps en temps, ça donnait, de temps en temps, il y avait des petits coups d'épaule. Mais il y avait aussi des grands frères qui nous soutenaient, comme Missingo François, Nkoti, le grand Nkoti, Desto. Après un moment, on s'est dit, bon, il faut rentrer à Yaoundé. Il y a déjà la télévision à Yaoundé. Il faut rentrer chez nous pour qu'on voit comment on peut booster la chose. C'est ainsi qu'on va descendre à Yaoundé. Revenu à Yaoundé avec le groupe Les Sangula Universels pour faire la promotion de leur album Première Partie, entre les années 1984 et 85, Mbarga Soukous et ses amis croisent plutôt le fer.
ça spéculait, la télévision, il y aura la télévision. Donc on était tous prêts pour attendre cette télévision qui doit nous lancer. Ça nous a monopolisé à Yaoundé. Les conditions de vie étaient difficiles, il n'y avait pas assez de cabarets. Et maintenant, avec l'arrivée de la radio cassette et du tourne-disque, yeah, les tenanciers de cabaret, alors vous allez nous ficher le camp, vous dérangez trop. Vous demandez l'argent, vous demandez la bière, vous demandez le salaire, vous draguez même les femmes et tout. Aïe, la galère va s'installer. Oui, jusqu'aux années, je ne sais pas, 85, 86, où le musicien va essayer de revoir le jour. Ouais, quelques cabarets s'installent et puis le mouvement de télépodium, ouais, ça nous a reboosté un peu. Entre 1985 et 86, la maison de production Lance Lo and Foti arrive à Yaoundé avec pour projet la promotion du Bikutsi. Elle met en studio Mbarga Soukous et en fin d'année 1986, l'album Domayiku voit le jour. Après cette sortie, Ndamba, l'un des grands gérants de cabaret à cette époque-là, signe un contrat avec Mbarga Soukous pour qu'il se produise en spectacle d'animation chaque soir au cabaret Escalier dont il avait la gérance. La renommée du cabaret grandit grâce aux prestations spectaculaires et magistralement montées de Mbarga Soukous. Parmi le nombreux public qui vient chaque soir voir et faire la fête avec Mbarga Soukous, il y a un admirateur tout particulier. C'est le boss de la maison de production, Ebobo Lofia, qui mettra plus tard Mbarga Soukous en studio. En 1990, l'album Et Samba voit le jour. Explose tous les charts pour rester très longtemps numéro 1 des hit parades. Et ceci sous la direction artistique de Ange Ebobo Emiran. Mbarga Soukous, c'est quelqu'un que je connais à double titre. D'abord de membre de ma famille, parce que maman c'était ma tante. Et comme artiste, je le connais
depuis nous étions des enfants. Et quand Ebobolofia a décidé de le produire, j'en ai fait cette transition et connaissant déjà l'homme Soukous, comme moi je l'appelais, Man Soukous, si je connaissais la valeur des œuvres qu'il proposait à ce producteur-là. Donc je connais Mbarga depuis tout ce temps. On a œuvré ensemble. Ce disque même qui a beaucoup marché, j'ai contribué. En ma qualité de directeur artistique, je suis allé au Gabon pour faire la promo. Parce que c'est la même année que j'enregistre aussi une œuvre sur la limitation des naissances, la parenté responsable. Ce producteur m'a envoyé au Gabon faire la promo de mon disque et de celui de Mbarga. Grand compositeur des titres à succès, avant les sorties des titres tels et Samba, Long Courrier ou encore Un Sono Sono, son aventure à Douala lui a permis de ramener dans ses valises le titre à succès des Têtes Brûlées. Singa et ce sort. Ce sont ces deux titres. Tetele, tetele, ma boue, bano, zilian. Oyome, barre, envoie, borbatar, bengali, c'est yak, ou barre, gatele, zilian, moulum, ou écoura, zilian, ou kumba, gombo, zilian, ma barre, ou bur, zilian. C'est comme ça que ma mère yanga me chante cette chanson. Donc, c'est un chant de conte. Qui sera amené au podium par Feu et Soumamboto, un chanteur, un beau garçon, un géant comme un américain, barbu. Quand le gars prenait le micro, c'était comme Salabakono, de 20h à 6h du matin. Il chante, il arrête la musique, arbem. Il a déjà engagé Ekunda et à la guitare, banglan, c'est parti, arr. Il regarde le public. Wadang Ankwale, aïe ce son. Oh! Je suis dans la salle avec Mbarga Soukous. On regarde sur mon vote faire les merveilles. Nous, on joue à Bonadi. Bon, on a passé des clients tout le temps à cause de cette sur mon vote avec ce son là à Aqua Club. C'est grave. Bon. Et sur mon vote, lui, c'est un aventurier. Tout ce succès-là ne lui dit rien. Il abandonne les trucs. Mbarga Soukous va déclarer cette chanson à la SACEM à Douala. Il y avait encore la SACEM à Douala. Il déclare Tétélé. Quelques années après, il va se retrouver à Yaoundé en train de jouer avec Zanzibar à Oyoma Bang. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest. Il installe la chanson. Ça donne. Le public est en l'air. Zanzibar, bon petit bandit, regarde ça comme c'est du bon. Il va faire un faux coup à Mbarga. On leur donne l'argent de toute la fête de fin d'année. C'était 160 000 francs que Mbarga m'a raconté. Il prend 4 millions à Mbarga. Mbarga dit, bon, je ne joue plus avec toi. Il abandonne Zanzibar à Oyoma Bank. La semaine qui va suivre, les clients viennent. Et ce soir. Mbarga n'est plus là. Le patron du bar se rend compte que Mbarga n'est pas là. Zanzibar, qu'est-ce qui se passe? Renseignement sur renseignement. Oh merde, tu as donné 4 000 francs à Mbarga sur 160 000. Dis donc, sors de mon bar. Allez, prends tes instruments. Le gars prend les instruments et rentre à l'avenue Germaine chez André Jean-Marie. C'est comme ça que Mbarga vient à la briqueterie. Il me dit, Mbozam, Zanzibar dans un bon mood. Ma voix que fait un. Oh, il m'a bangé. Attends, il est où? Zanzibar va échouer. Allez, il sort, il garde le matériel à l'avenue Germaine. Quand ils se séparent, Zanzibar récupère la chanson. Il sait que c'est une chanson à succès. Il va maintenant introduire ses arrangements.
tout Yaoundé, nous autres musiciens, nous savions que ce morceau se faisait appeler par Magasoglou Tétélé. Et il y avait des refrains qui parlaient du sexe. Mais Zanzibar, lui, à un moment, lorsqu'il s'est séparé de Margasoukous, il va donc récupérer ce tube, parce que c'est un tube. Zanzibar, lui, il est venu, il a changé le mot du sexe en Essinga. Et ils ont ajouté la partie, il y a un bœuf au milieu de Essinga, où le bassiste et le soliste essayent de jouer un featuring. Et c'est ça qui a été ajouté dans la version originale des Singans d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une composition de Zanzibar. Et je crois que c'est la Bébé Tenno bien Piccolo de Moussella, des deux qui a composé cette chanson. Donc, ça, à l'époque, on chantait. Ça, c'est une chanson religieuse. Bon, maintenant, Margasoukous est la personne qui a commencé à. Qui a réadapté cette chanson. Pour qu'elle se devienne dansante dans les cabarets et partout. Bon, à un certain moment, dans Zanzibar, lui, il a aimé la chanson. Il a tellement travaillé cette chanson en mettant des guitares. Et puis, Margal jouait cette chanson hautement, un peu avec l'esprit de samba de long courrier. C'était quelque chose, pas trop de guitares, c'était simple. Zanzibar a tellement compliqué la chanson qu'à un moment, bah, elle ne se retrouvait plus dedans. Bon, et je pense qu'au départ, il y avait bon, des petites engueulades. De temps en temps, comme bah, elle était un bon gars, il lui lançait des petits mots comme ça. Bon, mais Zanzibar, pour régler ça, a permis que Mbarga soit produit par Lancelot. Lancelot et Foti. Parce qu'en fait, Mbarga n'était pas dans la liste des artistes qui devaient être produits. Ça, c'était entre 1985 et 1986. Donc, Mbarga ne faisait pas partie de la liste. Et c'est Zanzibar qui a essayé de négocier et tout. Et puis, ça s'est fait. Bon, je crois qu'ils ont trouvé ils se sont entendus pour que Zanzibar conserve la chanson et puis, bon, et qu'il n'y ait plus de problème. Et moi, je vais donc vous dire que la personne qui chantait et Singan, c'était Mansoukous. Et quand il fallait que Foti, du groupe Tim and Foti, paie à son âme, quand il fallait qu'il décide de produire l'Obikutsi, tous les gars qui étaient dans les têtes brûlées, chacun faisait un disque. C'est là où l'entente entre Zanzibar et Mansoukous a été sur Essinga. Que Zanzibar lui dit, je veux jouer dans ton disque, mais tu me laisses Essinga. C'était ça. Lui-même n'avait jamais... Moi, j'ai déjà dit ça à beaucoup d'interviews, mais il s'est interdit de dire ça. Quand on dit tête brûlée, la première œuvre qu'on pense, c'est Essinga. Et c'était Mansoukous. Personne n'a jamais su ça. C'est son cousin. Mon père, qui s'appelait Essinga. Il lui a même chanté beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons ont été déroutées. Bon, comme on ne veut pas voler la destinée de quelqu'un, Margasoukous est resté Margasoukous. Lorsque René Ayina rencontre Margasoukous pour qu'il se produise en spectacle au Festibikuti, tout de suite, l'homme use du caractère que tout le monde lui connaît. Je décide de programmer Margasoukous d'abord en 2012. Tout simplement parce que quand je regardais les plateaux du Festibikuti, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a donné du sien, il faut l'inviter au festival. Alors, je vais à la rencontre de Margasoukous et il me dit, bon, ça ne m'intéresse pas de venir jouer là-bas, il faut que ça sache avec qui je vais jouer. Il dit, bon, bien évidemment, il y aura des jeunes, mais je fais une programmation avec une programmation diversifiée. C'est-à-dire les jeunes qu'accompagnent quelques artistes confirmés. Et cette année-là, je programme donc, on est en train de rendre hommage on rendait hommage à Govinal Dzingai Somba. Et je lui dis, ok, Govinal va jouer, c'est lui qu'on va remettre en scène. Et bien évidemment,
On a programmé M. Ambroise, donc des personnes qui sont pratiquement de la même trame que lui. Donc, et il accepte. Nous sommes en 2011. Il accepte de jouer donc en 2012 dans le programme. Et quand il voit l'engouement avec lequel la remise en scène de Govinal s'est déroulée, il m'a demandé mais comment tu peux rendre hommage à des petits frères, hein? J'ai commencé à faire la musique, il n'était même pas encore né, donc vous connaissez donc, les coups de gueule. Alors je lui dis ok, il n'y a pas de problème, on va en discuter. Il faut qu'on fasse un travail de fond. Et c'est comme ça qu'on se met à parler avec lui, à partager, à échanger. Bien évidemment, Hippolyte Nkengue, Diop, on se met ensemble pour discuter et parler avec lui pour qu'il nous donne quelques informations de lui. Parce que justement, Marga, c'est quelqu'un qui vous disait que non, bon. Moi, je sais faire la musique, les autres, c'est pas sûr. Mbarga Soukous était ova exigeant, comme on dit au quartier. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Selon lui, il a estimé que j'étais le meilleur bassiste. Voilà pourquoi il m'a toujours sollicité dans ses albums. En ce qui concerne la musique, étant le meilleur pote d'Mbarga Soukous, Mbarga Soukous n'a jamais accepté que j'ai atteint le niveau qu'il faut jouer. Parce que tout le temps, il me reprochait. Et je peux vous dire que j'ai accompagné Mbarga Soukous durant toute sa carrière, toute notre carrière, peut-être une seule fois au Mont Fébé Palace. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais lui trouvait que je dois toujours travailler. C'était bizarre. On pouvait m'aller ensemble dans un cabaret, mais quand on le programme, il me dit non, attends, tu vas écouter comme l'autre là va jouer. Mais après, il me donne l'argent. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui. Il était exigeant. C'était une façon où c'était pour montrer qu'il m'aimait beaucoup, qu'il préférait me donner l'argent. Et moi, quand moi je voulais jouer, mais lui préférait me donner de l'argent même si je n'avais pas joué. Donc, bref, on a fini par s'entendre. On a tenu des séances, plusieurs séances de travail pour que on s'accorde sur l'ensemble des choses qu'il devait dire, les émissions dans lesquelles il devait participer, ce qui intéressait. Il pouvait valoriser le festival et sa présence, justement, qui devait rehausser le festival. Parce que vous savez qu'on n'a pas arrêté de danser et samba. J'ai revu cette fin d'année, lorsqu'on dit samba et samba, c'est tout le monde qui se met debout pour danser. Ça veut dire que c'est des chansons qui sont restées et qui vont continuer à nous faire plaisir. Donc, je parle avec Mbarga Soukous, c'est dans ces conditions-là. Et il y avait des moments où on s'assoit, il ne veut rien dire, il dit non, je ne comprends pas, je suis très énervé parce que on ne fait rien pour les artistes. Moi, j'étais un grand artiste, je n'ai jamais été reconnu officiellement. Et donc voilà, c'est comme ça que les discussions se faisaient. Et c'était chaud, c'était chaud. Et j'ai dû, justement, quand je parle de Pauline Kenrick, parce que Pauline Kenrick était un ancien journaliste et qui a joué plusieurs fois en Mbarga Soukous. Et donc, c'est des personnes de cette génération-là qui pouvaient parler avec lui. Parce qu'il voyait en moi un petit frère et il se disait, bon, tu vas me déranger, tu vas me payer combien? voyez un peu, tu vas me payer combien? Donc, voilà, mais ça s'est passé dans les bonnes conditions, dans tous les cas, chaque fois qu'on s'est assis pour parler. Parlant de reconnaissance, c'est le ministre des Arts et de la Culture elle-même, Amat Toumouna, qui avait pensé que Mbarga Soukous méritait une reconnaissance officielle pour son immense travail. Je veux donc, comme d'habitude, tenir les réunions avec les responsables du ministère des Arts et de la Culture. Et c'est là que le ministre dit il pense que l'œuvre de Mbarga Soukous a été immense et qu'il était bien, de bon ton, qu'on écrive au chef de l'État pour proposer qu'on lui décerne une médaille. Alors, dans un premier temps, on en discute et puis bon, là on m'a posé des conditions, hein. Je peux vous avouer que c'était pas facile connaissant l'homme, hein, et son histoire, on n'a pas voulu prendre des risques. Et donc je discute avec Mbarga Soukous, je dis ok, voilà ce qui va se passer, le ministère propose qu'on te décerne une médaille. Il n'avait jamais eu de médaille dans sa vie, donc je crois que c'est une bonne chose. En plus, c'est dans le cadre du festival et pour moi c'était valorisant. Donc j'ai accepté. Et je lui ai dit, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Parce que vous connaissez hein, ses positions par rapport au ministère de la Culture, comme la plupart des artistes aussi. Et donc là, du coup, je me rends compte que
Premièrement, le festival a pris de l'ampleur, ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, le ministère des Arts et de la Culture a une idée positive sur la qualité du travail que font les artistes. Et pour moi, c'était une très bonne chose. J'ai eu du frisson lorsque le ministre est venu faire le discours à l'ouverture du festival en 2014 en disant que le chef de l'État a approuvé l'idée qu'on a proposée de décerner une médaille à Mbaraka Sekou, qui est donc chevalier de l'ordre et de la valeur. Et comme on n'a pas pu le faire pendant cette édition-là, on lui a posé sa médaille lors d'une cérémonie tout à fait particulière au ministère des Arts et de la Culture. Et pour moi, je crois que c'était un mérite. Mbaraka Sekou devient donc maillot jaune par cette reconnaissance du chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui le nomme par décret le 2 février 2015 au grade de chevalier de l'Ordre de la Valeur à titre exceptionnel. C'est après lui que plusieurs artistes et promoteurs culturels ont aussi reçu des médailles, y compris René Aïna, le promoteur du Festi Bikuti. En 2016, alors que le maillot jaune était en France pour prester sur le plateau du concert Bikuti et Kang Fambeti à l'Olympia, il a senti sa santé devenir mauvaise et a appelé sa femme au téléphone pour lui en parler. Parce qu'il m'appelait tous les jours, chaque matin il m'appelait. Chaque matin, à 22h il m'appelait. Il appelait les enfants. Il m'appelle un jour, il me dit, j'étouffe depuis la nuit, j'étouffe. Je lui dis que c'est depuis, parce que depuis qu'on s'est connus, il ne m'avait jamais dit qu'il étouffait. Il me dit, j'étouffe, ça ne va pas à l'hôtel, ça ne va pas. Mais avant ça, il avait toujours une chaleur qui sortait sur lui. Il avait toujours chaud par rapport aux autres. Que même quand il n'y a pas la chaleur, il sentait, il me disait que j'ai chaud parfois. Il sortait dehors pour prendre de l'air. Bon, mais il ne m'avait jamais dit qu'il étouffait. Il m'appelle donc, il me dit, j'étouffe. Il lui dit que mais ça, l'autre là, c'est depuis quand? Il me dit, depuis la nuit, j'étouffe. Bon. Et il paraît qu'il y a son ami là-bas qui est venu le chercher, l'amener. Je ne sais pas où c'était, à l'hôpital ou je ne sais pas. Il est tombé malade là-bas. Mon frère camerounais est venu en secours. Il est venu même avec un docteur. On a fait tout le diagnostic, machin. Le frère camerounais a acheté tous les produits qu'il fallait. Mbaraka les a consommés pendant toute une semaine, puisqu'on a partagé la chambre ensemble, Mbaraka Sukus, Tino, Barusa, Atebas. Un matin, il me dit, Mbozam, non, ça va, mais il faut bien. Il a fait des petits exercices là, ancien boxeur, footballeur, dans la chambre et tout. Le lendemain, quand je me réveille, Mbaraka est sur cette position, il tient le lit. Mbozam, Aboum, Mbozam. Aboum. Explique, c'est Aboum. Comme ça qu'il t'appelait. Mbozam. Aboum. Mais non, Mbaraka, hier tu m'as dit que ça allait. Tu me dis encore ce matin, Mbozam, Aboum, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Le Seigneur a voulu que ça se calme un peu. Façon, on est revenu au Cameroun. Mais en France, il était mal. Il était vraiment souffrant. Il y avait la petite. La belle qui était avec nous, qui était beaucoup plus souffrante que nous autres. Et moi, j'étais aussi souffrant. Moi, je suis même revenu, j'étais déjà beaucoup plus souffrant que tous les autres. Donc, on avait quand même la possibilité. Il n'était pas si souffrant que peut-être qu'il se couchait, qu'on devait aller quelque part. Parce que des gens nous recevaient, des Camerounais qui sont là-bas, nous invitaient par-ci, par-là. Parfois, nous n'aurions pas ces invitations. Parfois, on allait quand même, quand on sent que vraiment des gens risquent de nous traiter autrement, on allait à ces invitations. Il m'a encore appelé, il m'a dit non, ça va. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu vas donc jouer avec ça? Il m'a dit non, ça va aller. Thank you.
jouer. Il est rentré. Il m'a même dit que un de ses amis lui a demandé de rester là-bas et qu'il va faire tout pour qu'il ait la sécurité sociale pour qu'on le soigne normalement. Mais il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas faire 3-6 mois là-bas et qu'il nous laisse ici. Bon, il est rentré. Il m'a dit donc, je vais rentrer d'abord et je vais remonter. Je lui ai demandé comment tu vas rentrer et remonter. Est-ce que c'est facile? S'il faut que tu te soignes, il faut rester là-bas, te soigner. Bon, comme il était un époux très très jaloux, il m'a dit non, je ne peux pas rester ici pour le moment. Il faut que je rentre d'abord là-bas. Je rentre au Cameroun et je vais remonter. Bon, comme il était radical dans ses positions, quand il a décidé, et il ne fait que comme sa tête lui demande. Et peut-être il n'y avait que Dieu seul qui pouvait descendre et lui dire que non, change de position. Bon, il est rentré. Et on dormait. Vers 5 heures, une semaine après, il me dit, j'étouffe. Le truc que j'ai eu en France me recommence. Je lui ai demandé, sors donc du moustiquaire. Il l'a enlevé, il l'a mis en haut. Mais jusque-là, ça n'allait pas. Je lui demande donc, mais vas-y donc dehors, prendre de l'air. Il est sorti dehors, torse nu. Et tant moi, je suis restée couchée. Étant là-bas dehors, j'entends comment il m'appelle, comme il m'appelait Bouquet. Il m'appelle à haute voix, Bouquet, Bouquet, Bouquet. Il m'appelait 3 fois. Je sursors donc. Je prends la serviette, j'attache, je sors dehors. Je le trouve sur la véranda de derrière, en train de transpirer. Il me dit, amène-moi vite à l'hôpital. Si tu ne m'amènes pas à l'hôpital, je vais mourir. Je vois que je vais mourir cette fois-ci. Le truc que j'ai eu en France, c'est comme ça que ça m'a fait, mais cette fois-ci, c'est grave. J'appelle donc son ami, qui est aussi notre voisin, Toto. J'appelle Toto, je dis à Toto que viens vite, comme il a une voiture. Je lui dis, viens vite, ton type est malade. J'envoie sa première fille à Tebas. Que va dire à Tebas? Qu'il vient vite. Tebas est venu, Toto est venu en moins de 5 minutes, ils étaient déjà là. Son ami a amené la voiture. Atebas et Toto l'ont porté, l'ont mis dans la voiture de Toto. Et comme j'étais déjà perdue, sa fille même pleurait déjà parce que c'était grave. C'est là où Toto dit non, on ne peut pas aller à l'hôpital central. Comme il respire mal comme ça, allons à Jamou. Arrivé à Jamou, en arrivant même à Jamou, je ne savais pas qu'il devait arriver parce que c'était mauvais. Oui. Arrivé là-bas, il y a un docteur qui l'a reconnu. Il dit, mais Marga, qu'est-ce qui ne va pas? Et comme il ne parlait pas, le docteur a demandé qu'aller vite en salle de réanimation. Parce qu'il ne respire pas bien, ce n'est pas un bon signe. Allez vite. Avant d'acheter le carnet, faites-le entrer en salle. Ils l'ont amené. On a acheté tout ce qu'il avait acheté. Ils l'ont mis sur oxygène. En salle de réanimation, Mbarga Soukous a fait 2 semaines et en hospitalisation, il y a séjourné pendant 1 semaine avant de retrouver la forme. Dans la nuit de mercredi 29 novembre 2017, les choses se sont passées différemment, malgré qu'il suivait bien un traitement pour soigner la maladie qui l'étouffait. Le docteur m'a appelé, il m'a dit « ton mari a un problème de cœur et qu'il faut qu'il prenne un traitement et on verra, je ne peux pas te dire un traitement à vie, mais on verra avec les contrôles et ce que ça va donner. » J'ai demandé que c'était quelle maladie. Il m'a dit qu'il avait l'insuffisance cardiaque. Je lui ai demandé que c'est quel genre de maladie. Il m'a dit que
tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas dans le domaine, mais c'est une maladie que, de un, le sang ne circule plus bien dans son corps et c'est le cœur. C'est une maladie qui attaque le cœur. Et quand on parle du cœur, ça veut dire que c'est tout l'organisme. Mais entre-temps, de temps en temps, il allait faire ses contrôles. Il allait faire les contrôles. À chaque fois qu'on donnait rendez-vous, et il prenait ses remèdes. Ce matin même qu'il est sorti, le 29, il a pris son remède. Moi, j'étais encore couchée. Il a pris le remède. Il s'est lavé. Il s'est habillé. Et il m'a dit, je m'en vais. Bon, moi, j'étais déjà habituée. Parfois, je ne demandais même plus que tu vas où. Parce que quand je demandais souvent, il me disait que je n'ai pas de destination fixe. Tu sais que je n'ai pas de destination fixe. Donc, quand je sors, je rencontre les amis et les rendez-vous. Tu connais notre situation actuelle. Donc, il m'a dit, je m'en vais. Et chaque matin, il sortait toujours. Il me disait qu'il apprenait à jouer. C'est la guitare chez un de ses amis à Kondongo. Quand vous le voyez chanter là, vous croyez que vous ne pouvez pas savoir que c'est un bassiste. Il faisait même de la guitare. Et s'est remis à l'école. Nous, on a un grand frère à Mboka, Elie, c'est Tambafia, des photos jeunesse. Mais Mbarga allait prendre les cours de guitare tous les jours depuis 2 ans. Et il me dit, bon, oui, il y a des choses que je fais souvent à la guitare, je ne maîtrise même pas le nom. Et tout ça, il allait recommencer à zéro. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait toujours envie, le souci d'évoluer, d'avancer, de connaître davantage. Déjà que la musique, on apprend tous les jours. Hein. Même Manu Dibango, il est là, et tous les jours, il découvre de nouvelles choses. Et parfois, c'est un plus petit que vous qui vous donne une petite leçon en faisant quelque chose que vous n'avez jamais suivi dans le passé. Bon, je m'étais habituée à ce que, bon, il sort chaque matin. Je sais que après avoir appris ce qu'il apprenait, il allait, je ne sais pas, rencontrer ses amis. Alors, nous, on était là toute la journée. Vers 13h, il appelle donc sa fille, Kelly, de dire à sa petite sœur Agnès d'aller chercher ses habits à Kondongo au pressing. Parce que le matin, en partant, il m'a demandé que j'aille prendre l'argent à la boutique pour prendre le taxi, comme il n'y avait pas de monnaie. C'est comme ça, donc, à 13h, il me rappelle, il me dit de ne plus partir. Que quand il va rentrer dans la soirée, en rentrant dans la soirée, il va s'arrêter et prendre ses habits. Quelque temps après, sa fille vient me dire que maman, papa a demandé qu'on aille chercher ses habits. Après, il a appelé qu'on laisse, que lui-même va s'arrêter pour retirer ses habits au pressing. Bon. Nous, on est restés là, on était déjà habitués qu'il sortait, il rentrait tard. Pour nous, on n'avait pas d'inquiétude. Vers 21h, je voulais déjà me coucher. Les enfants et les petits-enfants sont venus sur mon lit pour voir une série à la télé. Je leur demande, mais il y a la télé au salon, il y a la télé dans la chambre de Kelly, pourquoi vous venez m'encombrer ici? Ils me disent que non, maman, la chaîne ci n'est pas dans les télés là. On finit de voir ça et on s'en va. On était donc tous assis là sur le lit. Kelly, sa fille, Kelly était dans sa chambre en train de voir aussi, je ne sais pas ce qu'elle voyait dans sa chambre. Subitement, à 21h, une dame nous appelle, elle nous dit « Vous connaissez l'artiste Mbarasuku ?» Je dis « Oui, c'est mon père, il y a quoi ?» Elle me dit « Je l'ai retrouvé inconscient, en bordure de route. » Je dis « Inconscient comment ?»
Après, je venais vite, nous sommes aux urgences à l'hôpital Jameau. C'est comme ça que je suis sortie dans du lit. Je ne peux pas retrouver la maman dans sa chambre. Elle vient, me dit, maman, viens, maman, une femme vient de m'appeler là. Que papa est tombé. Je dis que, mais tombé comment? Elle me dit, elle m'a seulement dit que papa est tombé. Je lui dis, donne-moi le téléphone. Quand je vais relancer le numéro, elle me dit, je n'ai pas de crédit. Je prends dans mon téléphone, je forme donc, parce que je n'ai même plus regardé où c'était son numéro, parce que je tremblais déjà. Je prends le numéro, je forme dans mon téléphone, je vois son nom sortir dans mon téléphone, comme j'avais mis Mbarga. Okay. Et comme je le connaissais, que donner son téléphone à quelqu'un pour appeler, c'était pas facile. J'ai su qu'il y avait un problème. J'appelle donc cette dame-là. Je demande que ma fille, il y a quoi? Elle me dit que maman, c'est grave. Venez vite. C'est urgent. Je reste comme j'ai commencé à trembler. Ma fille me dit que non, habille-toi pas. Comment tu commences à trembler ici? J'ai pris mon cabochet, j'ai mis. On quitte de la maison, on prend le taxi pour l'hôpital Jameau. Quand on arrive à l'hôpital Jameau, les gardiens nous compliquaient pour nous faire entrer. J'étais déjà perdue. C'est là où ma fille me dit que relance le numéro de papa, puisque c'est la fille là qui détient le téléphone de papa. Comment tu perds connaissance? J'appelle donc la fille. Je lui dis que nous sommes ici, les gardiens nous dérangent. La fille là, elle n'a même pas fait 2 minutes, elle est venue. Elle a demandé au gardien de nous laisser passer. On est entré. Bon. Au lieu d'aller dans. Au lieu de m'amener aux urgences, là où nous étions dernièrement, elle m'a amené de l'autre côté. Bon, je n'ai rien dit. Arrivée là-bas, elle me dit, maman, asseyez-vous. Je me suis assise avec ma fille. On est resté là 5 minutes comme ça. C'est là où je me lève encore. Je demande à une des infirmières là que c'est comment ma fille. Où est le malade? Je ne vois pas le malade. Mais on est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, maman, attendez le docteur. Je reste là. Comme je tremblais déjà, ma fille m'a arrêtée. Elle me dit, calme-toi d'abord. Calme-toi. 2 minutes après, le docteur est venu. Le docteur me dit, allons dans mon bureau. Nous sommes entrés dans son bureau. Elle me dit, asseyez-vous là. Je me suis assise. L'homme qui a consulté papa a commencé à poser des questions à maman. Comment est-ce qu'elle a vu son chéri sortir? La dernière fois qu'elle a vu son chéri, c'était quand elle posait des questions un peu pour essayer de faire diversion, donc de faire un jar. Il me dit, une femme l'a amené ici. Il ne parlait plus. Et comme on a su que c'était l'artiste Mbarazokous, on voulait vraiment le prendre en charge, sans, avec argent ou pas argent, parce que vous étiez déjà ici avec lui. Mais en le déshabillant, nous avons constaté qu'il était déjà décédé. Le Cameroun, l'Afrique et le monde entier ont perdu Mbarazokous, un éminent artiste, un virtuose de la chanson et de la musique. Heureusement que l'homme artiste a 2 vies. En tant qu'homme, nous te plairons. Mais en tant qu'artiste, tu es vivant par tes œuvres. Vive l'artiste. Nous avons
minonga kwa nambunga man. Meyem nal nan sedia passé. Me touringi da wo son da zibo. Ano wo wo zibo morumbe. Woman wa yemi tim telu. Gaza wa ne yan wakke tele. Telu wa kwa na bui. Subani o lega me bo. Na me bi ngul. Me bi fak. Fak ya a ton le ban bete. Me bi ngul ya lega ma ton le bo. Woman wa yema kya wa be ban bui. Kya wa man bui ya le. Zaren tina a mongul. Na te nyang te. Ba dang lega ba war no zo. Amu man ya le ban bui. Nous avons besoin de ça. Voyons, nous avons besoin de ça. Quand nous avons besoin de ça, nous école publique. Nous avons besoin de ça. 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 Ou le roi tombe ou bifou fok. Ta madame, la quarantine a bas femme forte. A tremane, tu ne ferais rien à Salomon pour ma boum. Papa, nous ne t'oublierons jamais. Tous tes conseils resteront gravés dans nos mémoires. Tu es un papa gentil, sympa et surtout blagueur. Que ton âme repose en paix et que la tête de nos ancêtres soit légère.